as I can be. Without a Christian, there is no miracle in the word of God. If you are expecting a miracle from God, expect that God will let you take some of the Christians to do something before the miracle will happen in your life. Voice of Healing with Prophet Francis Kwarteng. There is power in the blood of Jesus. Nous allons écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Un moyen par lequel l'ennemi passe, lorsque vous portez grossesse, il vient extraire la grossesse pour la jeter. C'est ce que nous allons apprendre. Amen. 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 Aujourd'hui est une nouvelle semaine. Parce que nous avons vu tout ce que Dieu a fait pour plusieurs ne sont pas encore venus. Ne pourront pas aussi venir ensemble. Présentement, elle n'a pas les moyens, ou bien d'où elle est très loin d'ici. Il y a beaucoup de cas comme ça. Quand on regarde même celles qui sont là, cela témoigne que nous avons aussi de l'espoir. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu va faire de nouvelles choses au milieu de nous. Amen. Amen. Matthieu chapitre 10. Verset 12. Matthieu chapitre 10, verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison est digne que votre paix vienne sur elle, un moyen par lequel le Seigneur nous a pas. Je ne savais même pas où se trouvait ce passage parce que je l'ai lu il y a longtemps. Le Seigneur m'a parlé de cela. Matthieu chapitre 10 verset 12. Na mosene efie bi mu a monchia emufu ono. Mhm. Ewonko na mepe. Amen. Amen o. Meno be kasafa enchia ni pachia mona fe urade afam so amwa kwanchire. Je vais vous parler de la salutation. Onye moa. La salutation. Quand tu vas porter grossesse, tu vas te saluer pour gâter la grossesse pendant que vous êtes enceinte là. Quand j'arrivais ici, le Seigneur m'a dit plusieurs, quand elle tombe enceinte, un moyen par lequel l'ennemi gâte la grossesse, c'est la salutation. Mais quand c'est au look, ça n'a pas look 10-4. Luc chapitre 10, verset 4. Et ne saluez personne en chemin. Écoutez ce que le Seigneur m'a révélé. Jésus dit, je vous envoie. En partant, tous ceux que vous allez trouver ne les saluez pas. Qu'il soit, que tu le regardes, que tu lui dis bonjour, que tu poses ta main dans sa main, ne saluez personne. Allez-y prêcher la nouvelle. Mais quelqu'un qui va prêcher la bonne parole de Dieu et qui ne salue personne, quelle est la pensée que tu as dans ta tête? À qui tu vas parler de Dieu qui va t'écouter? Le travail même que Dieu fait là. Tu trouves les gens. Le royaume de Dieu est proche. Nous qui sommes ici, si tu nous salues, ça fait quoi? C'est notre tradition. Que quand tu vas trouver quelqu'un, tu le salues. Tu salues quand tu rencontres quelqu'un, tu le salues. Mais Jésus dit.
Vous partez là. Et saluez personne en chemin. Quand je suis arrivé, c'est la nouvelle qui m'a donné. C'est la parole qui m'a donné. Je dis merci de m'avoir révélé ceci aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans la salutation? Qu'est-ce qu'il y a dans la main de l'homme? Qu'est-ce que l'homme reçoit quand il salue l'autre? Il souffre. Ou bien il obtient la paix. Si quelqu'un salue quelqu'un, la personne peut le détruire. Ou bien la personne peut lui faire du bien. Amen. 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 Sister B. Yes, sir. Le Seigneur est passé par moi pour l'aider dans le passé. Quand je suis arrivé à Tema, je suis allé à Tema. Elle est venue à l'église. Elle me connaissait bien. Quand elle est venue à l'église, un jour après le culte, elle m'a dit, le travail qu'elle fait là, il y a de mauvais yeux qui la regardent là-bas. Il y a un certain monsieur là-bas qui lui a dit qu'il apprécie bien et qu'il voudrait lui dire quelque chose. Ne sachant pas qu'il avait plusieurs fois tenté de lui faire du mal, mais il n'a pas dit. Et donc ce monsieur, ce patron-là lui a dit que le travail qu'il fait, que tout ce qu'il salue, s'il veut, il te tue dans la salutation. Tout le malheur qu'il veut te faire, il peut le faire par la salutation. Et il a tué plusieurs des saluants. Mais elle, comme il aime son affaire, c'est pourquoi il est en train de lui livrer ce secret. Or, il mentait. Il avait essayé déjà, mais ça n'a pas marché. Donc, il voulait savoir qu'est-ce qu'il y a en cette femme qui fait qu'il salue les gens et les gens meurent. Il a salué elle et elle vit encore. Et je lui ai dit, elle n'était pas mariée. J'ai dit, continue de marcher la chasteté et de te sanctifier pour le Seigneur. Cette façon de faire de son patron ne pourra jamais l'atteindre. Donc qu'elle se mette de côté jusqu'à ce qu'elle se marie. Voilà ce que je lui ai dit. J'ai dit, ne prends pas ça à la légère. Donc consacre-toi bien au Seigneur. Veille à ce que tu ne pêches pas. Si tu pêches, il va te tuer. C'est ce que j'ai dit à cette sœur. Quand j'étais à Tema, elle continuait de venir à l'église. Quand j'ai commencé à faire les croisades, j'ai appris qu'elle a cessé de venir à l'église. Ça signifie qu'elle allait pécher. Suite à cela, j'ai appris qu'elle est décédée. Et j'ai dit à mon pasteur, c'est le monsieur là qui l'a tué. Parce qu'il y a eu une porte d'entrée. Les disciples avaient reçu l'impulsion et ils les envoyaient. Mais il est imposé pour leur donner la force. Il dit, en partant, ne saluez personne en chemin. Pourquoi ne pas saluer quelqu'un? Ils ont l'onction là. Ils ont la grâce. Mais il dit, ne saluez personne. Spirituellement, l'esprit mauvais a choisi ces personnes. Il leur a donné le pouvoir. Où tu es venu ici cette semaine, tu es enceinte là. En pactant. Ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer ces personnes là aussi. Il y en a qui sont à l'église. Il y a des églises quand on va dimanche matin. On demande à tout le monde de se saluer. Et ils transfèrent des maladies, ils passent des ennuis, des difficultés. Donc tous ceux qui se trouvent dans l'église, qui sont innocents, sont tous dans des problèmes. Jésus a dit à ses disciples de saluer personne. Pourquoi quand vous arrivez à l'église, on vous demande de vous saluer? À l'église, ces personnes sont là-bas. Leur travail, c'est quoi? On leur a donné un mauvais pouvoir pour entrer à l'église avec. Quand tu attrapes sa paume, la chose qu'il veut te faire, ça entre en toi et il te le transfère. D'autres, c'est
la fornication. Donc, il est à l'église là. C'est la fornication qui répand sur les gens. Je t'ai vu il y a longtemps. Quand il t'attrape la main, tu vas forniquer comme ça. Donc, c'est la maladie qu'il passe aux gens. C'est de passer la maladie aux gens. Donc, à l'église où il est là, il y a plusieurs qui prennent ça pour aller à la maison. Hallelujah. Amen. À l'église là-bas, là. Tous ceux qui sont là-bas sont malades. Il y a quelqu'un qui est dans l'église. Voici le travail qu'il fait. Quand il te salue, toute maladie qu'il te souhaite, il te le donne. Il y a d'autres qui sont dans l'église. Quand ils font quelque chose, tout ce qu'ils essaient de faire, il y a quelqu'un qui est à l'église. Son travail, c'est de te saluer et il te donne l'esprit de pauvreté, de difficulté sur ta vie. Tout ça, c'est bien. C'est pour que tu ne sois pas content dans le service de Dieu. Pour que tu sois déçu de Jésus. Donc, ils sont plusieurs dans les églises en train de faire ce travail. Pour d'autres aussi, quand tu te maries que tu es dans l'église, quand il t'attrape la main qui te salue, il ferme ton ventre et tu deviens stérile à l'église. Et toi aussi, tu es assis dans l'église. Tu es allé à l'église au lieu de faire attention à ta vie. Pour être prudent, marcher dans la vérité et passer tout son temps à faire le commérage à l'église. Tu seras détruit. Parce qu'il y a des agents de Satan. Une fois lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés, Satan était présent. Quand vous lisez cette partie de la Bible, ne comprenez pas. Pourquoi Satan a pu aller dans la présence de Dieu? Il est tentant de nous dire. Quand on s'assemble pour dire Dieu, Satan aussi est présent. Alors plusieurs d'entre vous êtes là. Quand vous allez, c'est dans la salutation qu'on gâte la grossesse. D'autres peuvent passer par un ancien de l'église. Il y a une maman pasteur qui peut prendre ce contrat. D'autres peuvent être même le pasteur. Je disais quoi? Le mois d'août passé, il y a une femme militaire qui est passée. Elle a appelé pour dire qu'elle était enceinte. Et elle a décidé de ne plus aller à l'église. Elle ne va plus aller à l'église. Hein. Elle est assise à la maison et son pasteur l'a appelée. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Elle a dit non, je ne me porte pas bien. Elle n'a pas informé au pasteur qu'elle est enceinte. Du coup, quand elle a appelé, c'est que son pasteur est venu à la maison. Elle dit, faut ouvrir ton ventre. Ou bien ne fous soit. Quand elle a levé la vie, il a sorti de lui donc non, il a frotté sur le ventre de la femme. Quand le pasteur est sorti de la maison, le ventre s'est gâté. Elle a appelé lui de l'Oli. Et elle a appelé pour nous informer de ce problème. J'ai dit, ça n'engage que toi. Amen. Amen. Satan est rusé. Aujourd'hui, Dieu va passer par moi pour donner le pouvoir. Si tu reçois la grossesse, il ne peut jamais détruire ta grossesse. Puisque ici, quand on va au funérail, il faut saluer les gens. Là-bas même, Yako. Vous qui n'avez pas un esprit fort, on vous manipule comme du docteur. Parce qu'il projette des malheurs dans votre vie. Il met des ennuis dans votre vie. La plupart souffrent. C'est par les salutations. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, à chaque fois on va te faire subir des malheurs. Et vous aussi, au lieu de chercher la force spirituelle, vous parlez contre les hommes de Dieu. Toi aussi, tu n'es pas fort. Même quand tu marches, l'homme de Dieu, lui, il est ferme. Tu parles contre lui. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, la force,
Ce qui est venu se mettre dans ton ventre pour que l'ennemi ne puisse pas l'enlever, c'est cette force que Dieu va passer par moi pour te donner. Quand tu vas aller, si tu vas pécher là, il y aura une porte d'entrée. Si tu vas pécher, il y aura une porte d'entrée. Amen. 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 Waboto. Africa. La raison pour laquelle en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. C'est dû à nos traditions. Nous saluons trop. We greet too much. On salue trop. Tu vas voir et puis voir le blanc en train de saluer. Le blanc, il va te saluer. Ça bouge en tête. C'est pour qu'il ouvre la bouche te saluer. C'est-à-dire qu'il t'a trop salué. Et il passe. Ici. Adiachi. Matin, midi, soir. Tu arrives au marché, tu vas saluer tous ceux qui sont au marché. Les pierres aussi n'ont pas demandé à Jésus. Mais pourquoi tu nous empêches de saluer les gens? On va prêcher la bonne nouvelle. Mais on ne salue personne, mais comment les gens vont croire même à l'évangile qu'on va prêcher? Ils ont fermé leur bouche. Donc en partant, chacun avait, chacun avait mis sa main dans sa poche. Donc quand il voit quelqu'un venir, il baisse la tête carrément. Parce qu'il sait que s'il salue, il a eu un problème comme ça. Si les disciples ont salué, la force que lui, Jésus, leur a donnée, ça va les quitter. Si les disciples saluent, le pouvoir qu'il leur a donné, ils ne pourront pas exercer ce pouvoir. Si les disciples saluent, tout ce que Dieu a prévu pour eux, ça va les quitter ce jour-là. Donc toi, tu as salué, salué, salué tout le temps. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Hier juste après le culte, il y a des gens qui sont mortels. Parce que pour eux, ils ont déjà reçu ce sujet. Ta main a reçu, mais comment faire pour garder, pour maintenir? Tu n'as pas entendu pour savoir. Comme tu as reçu, c'est fini. Non, non, ça marche pas comme ça. Beaucoup, quand ils viennent ici, quand ils retournent, par des salutations, il nous attaque. Brisez l'enfant de tes entrailles. Alors, en ce moment, moi, j'ai dit au pasteur, si un pasteur vient pour dire salut, salut. J'ai dit, ne faites pas ça. N'apprenons pas ce que d'autres font. Saluez-vous. Si le pasteur ça, on ne se salue pas. Amen. Vous avez compris? Amen. On est venu à l'église, on ne se connaît pas. Personne ne sait l'esprit qui est en lui. Pourquoi le matin, tu viens louer le Seigneur, tu dois saluer quelqu'un forcément. Bonsoir, question ma hinta soumoui. Clame le Seigneur pour ça. Bomouye, 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 bomouye. La pierre. La pierre, watch him. Tout ce qui a été dit par Dieu, par sa parole, quand tu ne le fais pas, tu souffres. Nous sommes ici, devant tout le monde ici. L'homme de Dieu se tient debout. Salut 1000 personnes. Tu vas à la maison avec quoi? Tu rentres avec quoi? Amen. 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 Tu n'arrives pas à faire des enfants là. Ni pas autant où y est mon nom. La personne qui a fermé ton ventre t'a salué. Après avoir salué, fermé ton ventre. Celui qu'on a salué, qu'on a arrêté. Aujourd'hui, Christ va ouvrir ton ventre. Comme on a aidé. Hey. Bonjour, question ma Yesu. Acclame fortement Jésus. Et ajoute à cela du bruit. On m'en est prêt. À chaque fois dans mes messages, ça c'est moi, mais non,
Les blancs ont découvert ce secret depuis bien longtemps. Et ils ont extrait ça de la parole de Dieu. Et ils ont fait de ça leur culture. Quand ils voient son frère qui ne le salue pas, ça ne gêne pas. Il vit avec lui, c'est son voisin. Et il ne va jamais saluer le voisin. C'est comme ça qu'ils vivent là-bas. Ils travaillent même avec lui. Ils ont travaillé ensemble pendant 20 ans. Il n'a jamais salué son collègue. C'est comme ça qu'ils sont. Tu étais dans quel pays? Holland. Asuame kan me boa. Pacho eno. Otra won fie sai. Adio num num. 25 years. Pacho an. Ani akọ na ya small girl. Na mi sai. Hallelujah. Amen. Enti abrofo no ho. Le blanc là. Wo munya nyame asem ho ntasem no. Ils ont découvert les secrets dans la parole de Dieu. Ana omo de kan wo mo. Ils ont extrait de la Bible et ils ont fait leur culture, leur tradition. Enti se broni ni ni anche ana. Donc si le frère du blanc ne sait pas, il se gêne pas. Na Jésus quand il est sien fort non. Ce que Jésus a dit aux disciples. C'est ce qu'ils ont regardé et ils ont fait ça leur culture. Ou broche na chia chia. Donc si tu chez les blancs que tu partes autant saluer. Et bébé ça c'est na ouvrir. Ils vont te demander lui il vient d'où. Est-ce qu'il n'a pas un problème au niveau? It's a mental disease. Est-ce qu'il n'est pas touché mentalement? Amen. 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 Africa yewu. En Afrique, nous sommes morts. Wanchiana. Tu n'as pas salué cette personne-là. Wasemniye nineha. On ne va pas juger ton affaire ici. C'est wanchiana. Tu ne l'as pas salué. Wodie. Toi. Ya be people odien free. Ton nom sera effacé de la terre. Et tu ama adie bia yensaka no. Ça fait que tout ce que nous recevons, obonsam timejine ici. Le diable peut facilement le récupérer. C'est nyamishrawa. Quand Dieu te bénit, que tu es faible spirituellement, c'est la salutation, quelqu'un peut t'arracher la bénédiction. Parce que les principes spirituels, c'est que ceux qui sont forts avalent ceux qui sont moins forts. C'est des principes spirituels. Pourquoi c'est un principe spirituel? Moïse, le serpent de Moïse, avalait les serpents de Pharaon. C'est un principe qui existe. Si tu n'es pas fort, bénédiction que Dieu t'a donnée là, quelqu'un peut te saluer et tout t'arracher dans la main. Donc spirituellement, ce sont des principes qui existent. Si quelqu'un veut que tu sois fort, Jésus cherchant la force pour il dit prier sans cesse. À partir du moment où tu es faible, quelqu'un va avaler la force de Dieu qui est sur toi dans son ventre. Hey. Oh bonsoir, qu'est-ce que tu as? And now you hint us some da. Bom 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 ye, bom ye. Aho fadi akro. Aha. Aya na chance mu. Amen. Amen. Entino ni awrade di ama wo. Alors ce que Dieu t'a donné. Ça du mai di ewe mu no. Pendant ce programme so ma wa ho din ya. Il va passer par moi pour te donner la force. Ebekwakwada ne so obi ka so obi. Allez sur l'enfant pour que si quelqu'un veut l'extraire, ça ne puisse pas marcher. Tu prends l'enfant, arrive à la maison, tu commences à perdre du sang. Mais tu ne te dis pas que c'est la personne qui t'a salué qui est là-bas de ce problème. Nous sommes venus ici, on est en train de crier. Aujourd'hui, ils sont en train de sélectionner des agents. Il y en a qui vont provenir de mon famille, d'autres vont provenir de l'église, d'autres proviennent du marché, d'autres proviennent du dehors, partout. Quand tu arrives, il te salue. Et il brise la chose. Moi, chaque mois, c'est comme ça. Je fais que de fausses couches. Non, ce n'est pas comme ça que c'est. Dieu te l'a donné. Mais tu es faible. Donc, celui qui est plus fort que toi t'a arraché. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus Christ, mon il y a pouvoir dans le sang de Jésus dans cette maison.
Amen. 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 Jésus a dit, mais maman, je vous envoie. Où vous allez là? Si vous rencontrez quelqu'un, ne le saluez pas. Là, là, tu allais te faire muet ou sous-muet ou je sais pas. Il faut penser à ça. En partant, faut pas saluer quelqu'un jusqu'à ce que tu approches. Est-ce que tu peux? Ça peut pas marcher. Amen. 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 Plusieurs d'entre nous, c'est par là que je vais passer. Saluer 30 personnes à l'église. Tu vas tomber. Tu vas diminuer. Parce que ceux qui viennent à l'église là, il y a même des anciens d'église, c'est le travail qu'ils font. C'est de rapercer les gens qui viennent. Donc il y a des gens, tu le vois que il attend d'être l'église. Quand il se met à saluer les gens, il récupère tout ce que vous avez. Donc à l'église là-bas, il ne s'amuse pas dans sa salutation. Parce que c'est quand il arrive à l'église qu'il réussit. C'est ce que je veux que tu saches. Je veux que tu saches que si tu n'as pas été fort, si tu n'as pas ouvert tes yeux, ton ennemi va toujours te tricher. Amen. Et abuser de toi. Amen. Amen. This time, Krano, aye, House of Power, no matter become on topic, même House of Power, je vais ajouter cela à leur principe. On m'a open prayer now. Quand ils vont faire la prière d'ouverture, on m'a bossé. Ils vont prier que ni pebi et besman ça on met chier ou bien scène ni soit des ou non. Pour le saluer, pour détruire sa vision et le combattre. Parce qu'on ne prie pas concernant ça. Alors que c'est un élément par lequel l'ennemi passe pour nuire aux gens, pour détruire la vie de plusieurs. Alors, la grossesse là, ce n'est pas difficile que Dieu te fasse grossir, mais pour que la grossesse reste. Il y a plusieurs personnes quand ils viennent, arrivés là-bas, ils appellent. Je suis tombé enceinte. Mais j'ai perdu ma grossesse parce que j'ai fait une fausse couche. Il y a d'autres quand ils vont saluer. Ça passe par tous les moyens. Ça peut passer même par ton pasteur. Faire ce travail parce que c'est le travail qu'il fait dans l'église. Et il y a des moments pasteurs aussi qui font ce travail. Les femmes qui viennent dans l'église pour voir les empêcher de faire des enfants. Tout ça, ce sont des missions de leur intérêt. Je ne dis pas que c'est dans toutes les églises. Mais l'ennemi a envoyé des agents comme ça dans les églises pour se mettre au milieu de nous. Et nous vivons avec eux. Quand ils te rencontrent, c'est hier même que c'est passé. Il te salue. Il dit, mais tu étais enceinte. Comment il a su que tu es enceinte? Elle va détruire cette grossesse. Amen. Elle va détruire cette grossesse. C'est hier que tu devrais avoir tes règles. Et tu n'as pas fait tes règles hier. Aujourd'hui, il te salue, il dit que tu es enceinte. Comment il a su que tu es enceinte? Même le médecin n'arrive pas à savoir. Parce un jour de retard là, qui peut savoir? Il a su, il va gâter. Lui aussi qui dit ça, il t'a déjà salué. Comment ça va chez toi? Tu es devenue belle. Et les femmes aussi aiment bien quand on leur fait des compliments. On leur dit qu'elles sont belles. Tu es jolie. Tu es belle. Il va te détruire. Amen. 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 Donc si Dieu fait grâce, la grossesse là, par la grâce de Dieu, tu es enceinte. Mais le moyen par lequel tu vas préserver cette grossesse, peut-être même que où nous sommes, il y en a au milieu de nous. Ils sont venus soumettre pour pouvoir trouver des gens qui font saluer. Donc quand tu tombes enceinte, il arrive à savoir déjà. Quand tu tombes enceinte, il détecte. Et il dit, toi tu es enceinte. Avant qu'il te dise tu es enceinte, il t'a déjà salué.
Et il a déjà gâté la grossesse. Entia. La salutation. Enieme wumono. Il y a tellement de choses dans la salutation. Ce n'est pas de petites affaires. Mais kasa brebi. Je me souviens une fois. Na mewura djuma yim. J'avais commencé cette œuvre là. Na ma ba kona owo asore na na mewomuno. Il y a un certain monsieur qui était dans une église que j'étais. Et il faisait partie des responsables. Il a perdu son père. Allons-y aux obsèques, allez le soutenir. Donc je suis allé avec les pasteurs. En tout cas, c'est sur la rue de Boissy ici. Quand nous sommes allés, c'est toujours les salutations, les obsèques. Bam. Du coup, on se salue. On se salue. Et bam. On se salue. Et wa. On se salue. Et bam. On se salue. Saluer jusqu'à. Et j'ai salué un certain monsieur là-bas. Là-bas aussi, quand tu les salues, il serre ta paume comme ça, durement. Donc il a attrapé ma main, il a serré ma main. Quand je partais, j'ai vu que la chose se promenait dans ma main comme ça et montait dans mes bras. Oh, fine. J'ai dit très bien. Tu veux tenter la puissance de Dieu. Quand je suis allé m'asseoir, et j'ai dit, il est écrit que tu ne tenteras pas Dieu. Et la chose est sortie de moi. Et je lui ai ramené sa chose. Bomie. Powerful. Ok, c'est meilleur honneur mounia. À supposer que j'étais charmé. Ce qu'il a mis à moi là. Ça allait rester à moi comme ça. Comme je suis spirituel, donc j'ai su que tu vas pas savoir quelque chose dans ton corps. Ce jour-là, la façon dont tu vas manger avec cette main-là même, ce n'est pas une petite affaire. Alléluia. Amen. Tu comprends? On avait plusieurs cas comme ça. Son insana. Pris sa main. Non, parce qu'il voulait invoquer quelque chose en toi. Nous avons beaucoup d'expériences comme ça sans savoir. Toi qui es faible. Là, comment tu peux tenir face à des gens de choses? Où tu vas là, peut-être tu en fais parler avec quelqu'un. Ou bien tu as parlé. Et tu vois encore already what done a homonin ça. Bon déjà toi-même tu es. On a mis un homonin du haut chez moi. Moi ils sont moins impopulaires on a dit ébi. Amen. 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 Jésus sait. Jésus dit. C'est mon quoi? Quand vous allez partir, ne saluez personne en chemin. Adenti na wanka c'est mon mon paye na mon quoi? Moi chez obi ébi bien. Pourquoi n'a pas de prier? Et quand vous allez saluer les gens, rien ne va vous arriver. Ça signifie que saluer, c'est dangereux. Donc, homme qui a la zoospermie, la femme que tu as, à qui tu allais faire les avances, est arrivé quelque part, tu l'énervais. Un jour, quand tu l'as salué, elle a enlevé tout ce qui est fort dans ton sperme. Elle dit, je ne te rends pas comme ça. Je vais accepter que tu souffres. Comme ça, moi je vais aller avec toi. Et puis je vais tomber enceinte. Donc il a sorti toute la force. Maintenant je suis d'accord. Viens. Parce que je vais bouffer ton argent et je ne tomberai jamais enceinte de toi. Parce que moi je ne vais pas faire d'enfant avec toi. Donc elle te rend nu même déjà avant que tu ne l'acceptes. Et donc elle extrait toute la force qui est dans ton sperme et puis elle le jette. Elle dit, je suis d'accord. Maintenant je suis d'accord. Viens. Parce qu'il a vu que tu lui donnes de l'argent. Elle ne fait pas faire d'enfants avec toi. Le travail d'aujourd'hui, chaque jour à ce que Dieu fait. Quand je vais tout finir, ce que le Seigneur m'a dit que vous fassiez là, quand on va finir, semence que tu as reçu hier, là, ça sera couvert. Si quelqu'un est passé par la salutation pour briser cette semence, ça ne marchera pas. Je dis ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Et
Alors aujourd'hui, Dieu va passer par moi pour vous aider. Dans Amen. Les salutations Amen. Pour que vous soyez vainqueurs pour que l'enfant Amen. Puisse bien dormir et que l'œuvre et moi l'enfant sort de la victoire. Quand vous allez tomber enceinte de la sorte et à certains elles ne vont pas garder la enceinte, mais qu'est-ce qu'ils font Ochiawa, quand ils te saluent ils mettent l'esprit de césarienne en toi, donc ça positionne mal l'enfant dans le ventre. Quand l'homme de Dieu qui t'a imposé la main, l'enfant n'était pas bien positionné. Et l'enfant vient bien se positionner. Lui aussi, quand il est salué, il peut tourner le corps de l'utérus quelque part. Donc, à l'enfantement, il donc, il y a beaucoup de femmes, quand elles arrivent à l'hôpital, quand elles sont enceintes, on dit, il faut qu'on t'opère. La salutation peut prendre. Donc, il positionne aussi ce genre de piège. Qu'à l'église là-bas, qu'on te fasse une césarienne. Ce que je vous dis. Amen. 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 Tu vas découvrir. Que c'est parce que tu n'avais pas de connaissance que tu n'as pas accouché depuis. Aidé par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu n'as pas de connaissance. Il y a beaucoup d'églises où il y a de telles pratiques. Si le Seigneur avait ouvert tes yeux pour voir. Je me souviens d'un pasteur que je connaissais. Ce pasteur m'est venu un peu à mes pieds. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai travaillé avec lui. Ce moment, je n'avais jamais appris ça. Et il y a une certaine dame qui était dans l'église. Ce que j'ai appris, c'est que c'était la copine du pasteur. Je n'ai jamais appris qu'un pasteur laisse sa femme pour aller prendre une copine. Je tremblais sur moi comme ça. Mais un pasteur qui a de tel comportement. Et je l'ai chassé. Quand je l'ai chassé, il est allé dans une autre communauté. Là-bas où il est allé, sa femme. Il y a le pasteur de cette église qui a invité un prophète. Il était en train de ministrer. C'est dans l'église, il n'y a que des stériles là-bas. Et il a vu que le pasteur que j'ai chassé, là, le travail que sa femme fait dans l'église là-bas, toutes les femmes qui sont dans l'église, là, elles ont arrêté leur enfantement, elles ont toutes rendu stériles. C'est le travail qu'elle fait. Je suis pas en train de mentir. C'est lui qui s'occupe de l'enfantement dans l'église. S'il va te permettre de faire des enfants ou pas. C'est le travail que la femme fait spirituellement. Donc, elle est au ministère de la défense peut-être. Et on lui a donné le ministère de l'intérieur aussi peut-être. Elle est assise dans l'église. Et elle est en train de maltraiter les gens. Quand le prophète a fait la révélation, donc il a dit qu'il est fâché, que sa femme a été humiliée sans sortir de l'église. Il y a de cela 15 ans de cela. Il y a de moment, un moment, ils sont venus. Comme ils sont très dans les difficultés, ils ont voulu revenir. J'ai dit, oh, moi Dieu ne m'a pas montré ça. Que tu étais au ministère de la défense. Alléluia. Amen. Vous voyez, maman pasteur, alors que c'est vous toutes votre maman, si elle va t'empêcher de faire des enfants, c'est par quel moyen tu peux faire des bébés. Tu comprends? Donc l'ennemi travaille à plusieurs, par plusieurs moyens. Les pierres là étaient ouin, très ouin d'ailleurs, mais il leur empêchait de saluer les gens. Toi tu n'as aucune onction là, tu as salué jusqu'à Dieu aura pitié de toi.
Hallelujah. Amen. Jesus Christ, moja no. Jesus Christ, moja no again. Comme tranquille, je suis à la fin de mon message. Je veux que tu saches ta position. Yes, ça, ça, ce que tu dois faire. Aujourd'hui, Dieu va t'offrir quelque chose qui est grand. Et si quelqu'un passe par des salutations pour détruire l'enfant, ça ne marchera pas. Amen. Lève-toi. Danase, c'est quoi ici? Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a révélé ce secret. Dis-lui merci parce qu'il t'a aimé au-delà même de ton attente. Et il t'a révélé ceci pour te délivrer, pour te sauver, pour que toi aussi tu sois une mère, que tu aies un enfant dans tes bras.